Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Je vais être honnête avec vous, il fait moins 20, l'hiver finit pas. J'ai mes règles dans 2 jours, j'ai pris du poids, je rentre plus dans mes vêtements. Donc au lieu de faire un régime, on va faire du shopping. Suis-je dans le déni? Quand je suis dans un bad mood, le shopping, c'est ma solution. C'est moins la solution de mon banquier. Non, sérieusement, j'ai vraiment pris du poids. Le truc, c'est que j'aime trop manger. Et la seule solution que j'ai trouvée pour rentrer dans mes vêtements, c'est d'en acheter des nouveaux. En vrai, l'été, c'est pas pour tout de suite. J'ai large le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi pour combattre le bad mood et succomber à mon addiction du shopping. Étape numéro 1 pour combattre le bad mood, avoir un outfit qui matche ton énergie. Premier arrêt, la petite garçonne, c'est un de mes magasins préférés sur Montréal. Ok, j'ai déjà vu beaucoup trop de trucs mignons. Oh, oh. Hello bestie. Est-ce que vous pensez que je peux acheter le canapé? J'ai trouvé quelque chose. Le problème c'est qu'avec les chapeaux, c'est joli en comme ça, mais quand tu mets sur ta tête, c'est un autre délire. Nice. Je vais buzzer. Oh non mais c'est mignon en fait. Tu ça va super bien avec ton outfit. Oh my god, faut pas me dire ça, je vais l'embarquer, c'est sûr. Je crois que j'aime bien cette jupe, mais je sais pas pourquoi. Dans quelles conditions je pourrais porter ça? J'ai l'impression d'être une danseuse étoile, sauf que j'ai la grâce d'un plat de macaroni. C'est cute! C'est ce genre de vêtements trop mignon, tu sais pas avec quoi porter, mais tu le veux. Hey! Les gars, j'ai trouvé une jupe qui va enfin me permettre de cacher mes fesses. Mes jupes sont beaucoup trop courtes. Non, c'est pas du tout mes fesses qui ont beaucoup trop grossi. La longueur est génialissime. Elle est trop adorable cette petite chemise. Trop classique. Merci! Welcome to paradise. C'est tellement joli. Vous comprenez pourquoi c'est mon magasin préféré? Regardez-moi les petites capes. Les petites capes pour boire de l'eau. J'ai pas soif mais il me faut de l'eau quand même. Génial. Ça me donne envie d'être healthy. Wow. Oh, c'est tellement joli. Oh. Ok, c'est très joli. Il faut absolument que ce soit l'été. Je dois porter ça. Oh. Le lilas, c'est tellement beau. Avec le petit pull par-dessus là, fait. Ouais. C'est adorable. Miroir, miroir, dis-moi s'il va me rester de l'argent à la fin de cette journée. Un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir fait mes études au Canada parce que du coup, j'ai pas pu faire le bal de promo. J'ai tellement envie de faire un bal de promo. Regardez-moi ces robes de folie. Oh, waouh. On dirait qu'il y a une couronne sur la chaussure. C'est trop mignon. Je meurs. Ça, c'est le genre de top qui matche avec tellement tout. À force de surestimer mes tailles tout le temps, j'ai pris un peu trop grand. Regardez-moi la taille de ce miroir. Oh waouh, je peux faire des défilés. Faut que je trouve c'est qui leur décorateur d'intérieur les gars parce que... Oh my god. Je vais me prendre la taille plus petite et c'est mieux. Un peu trop grand, je flotte un peu. Mm-hmm. Hi. All black, match my soul. C'est une petite douceur. Oh, oh très joli. Ça j'ai déjà. Do you want some tea? Regardez ça, une petite tasse avec une bougie dedans. C'est génial, merci. Petit look BCBG, faudrait que je l'essaye. Je suis pas sûre pour les boutons par contre, cette jupe est totalement faite pour mon outfit. En vrai comme ça elle a l'air bien mais si je lâche ma main derrière... Manger sur un parking, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Par contre, c'est le plat le moins pratique du monde. Il y a tellement de sauce, c'est dans une boîte qui prend toute ma voiture. Franchement, heureusement que je vais m'acheter des nouveaux vêtements parce que ceux-là, ils vont être morts à la fin de cette journée. Qu'est-ce que la vie me réserve? Découvrons-le. Vous êtes tenace et avez une terrible envie d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est vrai. En cas de désespoir intense, la friperie, c'est toujours la solution. Oh my god! Quand je vais en friperie, j'ai toujours l'impression que je vais trouver des trésors. C'est trop génial la sensation. Tu sais pas exactement, genre si tu peux tomber sur des trucs incroyables ou ça. Oh cute! J'ai une petite tenue de marinière. Tadam! C'est trop joli! Elle est mini, mais elle protège le fessier. Elle fait comme le contour de la fesse. Donc ma fesse ne peut pas s'échapper vers d'autres cieux. Tadam! On dirait que je suis dans un petit drap. On dirait que c'est moi qui l'ai faite. Ouais. C'est pas forcément un compliment. Non, c'est ça. J'ai envie de me promener avec un petit parapluie noir.
Elle est pas fermée derrière. J'arrive pas à accéder à cette partie de mon dos. Avec une petite ceinture noire, ça fait du sens, hein. Avec une petite ceinture vernie. C'est pas laid, hein. La question, c'est est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que je vois là? Macarons. Je vais vous prendre une boîte de 6. Ok, je vais vous prendre un la duchesse, un la pistache. Oh, cute petit cœur. Je vais prendre un Mac Adou, Loco Coco. Et les deux derniers, ça va être un pistache et un duchesse. C'est pas comme ça que je vais perdre du poids. Non, mais j'ai faim, tu sais, comme j'aime manger. Allons fouiller chez H&M. C'est trop chou. Trop mon style. Cottagecore. Ouais, mais j'en ai à peu près 18 comme ça. Il faut pas abuser un petit peu et pousser mémé dans les orchidées. Est-ce que c'est pour mettre sur les chevaux, genre? On dirait des petits tapis pour les chevaux. Oh! Faut que j'essaye ça. Ah ouais, c'est fait pour être décousu? Je savais pas. C'est pas vrai. C'est pour que ça reste bien en forme, mais après tu le Mais non, vous saviez ça? Business casual. Eh bah trop bien que mon sac. Avec un petit outfit un petit peu sportif, fluffy. Et puis un petit sac moumoute. Oh! C'est trop mignon! Oh my god! Avec un pull moumoute. Oh! Je suis moumoutée. Là, c'est all dress moumoute. Oh, le sac est trop mignon, c'est sûr, je l'emporte. Ouais, le sac est... Le sac est trop chou. Oh my god, je l'aime trop, je l'emporte. Ça, c'est le genre de truc, on voit la moitié de marée. Il est trop joli. Ouais. Avec le petit bleu pastel comme ça. Hello, toi. Ça, c'est un S. Ok, peut-être plus le S, faut pas non plus se prendre pour quelqu'un que je suis pas. Twins. Oh, l'arrière est cute. L'avantage d'avoir une caméra, tu peux regarder derrière toi, surveiller des ennemis. Ok, je crois que j'aime. Ça match avec mon nouveau sac. Le destin m'envoie un signe. Faut que je teste tous les miroirs, les gars, pour être sûr que c'est bon. Miroir approuvé. Miroir approuvé. Miroir encore approuvé. Je crois que c'est approuvé. Opération chaussures. Tellement fancy. Oh my god. Je veux ce livre. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, je veux les décos du magasin et pas les articles. C'est problématique. Attends, mais je crois... C'est un sac. C'est un sac. Oh, c'est tellement cute. Il y a un petit truc comme ça. L'amour est né. Oh oh. C'est joli ça. Le problème, c'est que moi, je veux plus acheter des chiens d'hiver. Je suis dans le déni de l'hiver. Je pense qu'au montage de la vidéo, je vais me rendre compte que j'ai dit cute 150 millions de fois. À partir de maintenant, je vais mettre un bruitage à la place. Je suis tombée sur un truc très... Fouillons à Guess. C'est très... Elle est là. Ne me dis pas ça. Elle veut maman. Mais moi, j'ai eu le coup de foudre. C'est trop beau. Oh, c'est trop... Ça, c'est dommage que j'ai pas vu ça plus tôt. Elles sont mignonnes celles-là. All tweed. Ow. Le parfait petit sac en tweed pour l'été. Il est trop chaud. Oh, cette petite valise là, elle est aussi, hein. Mais j'aime pas le truc en noir. Je l'ai. Ah ouais? Oui. Il est en solde maintenant. Les gars, j'ai qu'un seul espoir, c'est que ça m'aille pas. Parce que là, si ça me va, je vais devoir me ruiner. Alléluia, c'était beaucoup plus beau sur le mannequin que sur moi. Ça fait un truc de moins acheter ça. Mais c'est joli quand même, mais c'est pas aussi joli que je l'imaginais, genre. J'aurais besoin d'un peu plus court. On a un problème. Elle est très mignonne, cette petite robe. Je la porterai dans 2-3 mois, mais non, pas du tout. Si je l'achète, je vais la porter par moins 20. Ça va peut-être être mon futur parfum, les gars. Attends, non, c'est celui-là. C'est celui avec le petit nœud. Je pense que c'est celui-là. Je l'ai senti l'autre jour et il sent tellement bon. En ce moment, j'ai le Mademoiselle de Chanel. Mais celui-là sent trop bon. Oh my god. Oh, ça sent si bon. Il y a littéralement un jardin au milieu du centre commercial. C'est bientôt l'été, les gars. Je le sens. J'ai envie de piquer une tête, là. J'ai trop chaud. Je suis chargée comme un mulot. Back home. C'est le moment de vous faire un petit haul. Pistachio the best. J'ai été à Sephora, j'ai pris un petit masque anti-pollution. J'ai jamais testé de masque anti-pollution et c'est très pollué dans les grandes villes. Donc on va essayer ça. J'avais besoin d'un nouvel eyeliner. Le truc, c'est que niveau brand, je suis vraiment nulle. Du coup, j'ai pris celui de Sephora qui a l'air vraiment bien. Ok, petit ASMR.
j'ai pris ce petit pull gris. Oh, je vais tellement faire des outfits de folie avec ce petit pull. Et comme j'ai absolument aucune volonté, la vendeuse m'a proposé ce pull là et je suis tombée en amour dessus. Un petit pull avec un nœud en velours, trop joli. Petite jupe en tweed, elle est trop trop belle et elle peut aller avec... Oh, elle va bien avec mes deux pulls. Nice. Oh, merveilleux. Merci à ma maman qui me l'a trouvé. Un petit sac à main fluffy. Il est trop mignon, c'est mon nouvel animal de compagnie. J'ai aussi trouvé ce petit pull que je vais mettre par-dessus une chemise noire, je pense. Ça va être vraiment beau. Un petit top blanc avec des petits froufrous et la jupe qui va trop bien avec, je trouve. Regardez-moi ce macaron. Il est trop joli. Voilà pour tous ces petits achats. Je pense que la mission est réussie. Mon mood va un petit peu mieux. Remonter le moral, c'est quelque chose qui coûte quand même cher, hein. À chaque fois que j'allume ma caméra, il y a genre des camions pompiers, des hélicoptères. Voilà, cette petite vidéo shopping est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Road to the 1 million, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous passez une belle semaine, un beau week-end. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt dans un meilleur mood pour une prochaine vidéo. Bye!